Des instants lors de la pratique de l'acupuncture, des moments tout particuliers, de véritables moments de grâce. Laura Legge va nous présenter cette approche si particulière dont elle a fait son domaine de prédilection. Bonjour et bienvenue sur Tao Médecine TV, voici un nouvel épisode proposé par la rédaction Tao Médecine. Ça fait partie d'abord de l'acupuncture et de la médecine chinoise en général, mais la chronoacupuncture est une approche qui est basée sur le temps, la connaissance des rythmes, qui permet essentiellement de travailler sur les traumatismes de la vie. Ça s'applique à tout le monde et on a effectivement tous, au travers de notre vie, des difficultés à passer, ou que ce soit nous, ou nos amis, notre entourage, ou parfois les patients que l'on rencontre. Et qu'est-ce que c'est que cette technique? Est-ce que c'est une acupuncture particulière? Est-ce que c'est une manipulation particulière? Est-ce que c'est une approche acupuncturale particulière? C'est une approche particulière de l'acupuncture. Donc, la chronoacupuncture est basée sur l'acupuncture elle-même, elle est basée exactement sur les mêmes points d'acupuncture. Donc, en ce sens, il n'y a rien de nouveau. Simplement, c'est que l'on va étudier les rythmes. Prenons un exemple. Une personne apprend une mauvaise nouvelle, par exemple son enfant vient d'avoir un accident extrêmement grave et évidemment pour elle c'est presque la fin du monde, si évidemment ses enfants c'est très compliqué. Et il se passe une chose assez étonnante, c'est que depuis que la personne a appris que son enfant a eu un traumatisme, un accident ou quelque chose de difficile, il y a un avant et il y a un après. La personne n'est plus la même. La personne a perdu la joie de vivre, la personne a perdu ce petit côté pétillant, voilà, elle s'est un peu éteinte. Et là où la chronoacupuncture et l'acupuncture, bien sûr, peuvent intervenir de manière efficace, dès lors que l'on connaît la date d'un traumatisme, on peut dans le futur retrouver les mêmes conditions énergétiques qu'au moment de ce traumatisme. Et en poncturant le point qui correspondait à la date et à l'heure du traumatisme, faire ressortir ce qui a provoqué un déséquilibre dans l'écosystème intérieur de la personne. Qu'est-ce que ça apporte du point de vue du praticien? Qu'est-ce que ça apporte à la qualité de la consultation? Parce que un trauma, on sait traiter des traumas en acupuncture. Et quelle est la valeur ajoutée? Alors la valeur ajoutée est assez simple, c'est que ça permet de traiter des traumas qu'on ne sait pas tout à fait bien traiter en acupuncture classique. Je parle de traumas très importants. Par exemple, j'ai cité des parents qui apprennent une mauvaise nouvelle de leur enfant qui a un accident, ou voire un accident mortel sur une route, où on apprend une mauvaise nouvelle parce qu'on a une maladie extrêmement grave. Ça s'applique lors de traumatismes importants. Voilà. Sur des traumatismes qui font que la personnalité va être modifiée. Lorsqu'il y a un avant et un après,
par rapport à un traumatisme. Là, on est vraiment sur le champ d'application. Ça, c'est vraiment le signe clé du... C'est-à-dire, le patient nous exprime à sa façon, d'une manière comme une autre. Il y a un avant et un après. Je ne suis plus comme avant, avant cet événement. Ça c'est vraiment les termes qui doivent nous mettre sur la voie. Tout à fait. Nous alerter. Dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a un changement de comportement important et notable, la chronoacupuncture est bien indiquée. Évidemment, si la personne est en colère parce qu'elle a loupé son train ou son avion, on est en colère sur le côté, mais ce n'est pas du tout le domaine d'application des chronoacupunctures. Quelle est l'origine de la chronoacupuncture? Oh, c'est une origine taoïste, en fait. La chronoacupuncture est en fait une acupuncture taoïste, et elle est citée, elle trouve ses sources, entre autres dans les grands textes comme le Soren, elle trouve ses sources dans le Nanking, elle trouve ses sources dans le Ningshu, elle trouve ses sources dans d'autres textes. En fait, elle est multisource, comme d'ailleurs toute la pensée chinoise, elle est émiettée parcellaire dans tous les textes. Donc il faut après faire un travail de rassemblement, hein, c'est un travail qui permet de rassembler toutes ces informations pour en faire quelque chose de cohérent. Un autre domaine d'application de la chronoacupuncture consiste, en fonction des personnalités, d'utiliser différents types de points d'acupuncture. Par exemple, il existe toute une famille de points qu'on appelle les points terrestres. Les points terrestres servent surtout à ancrer les personnes. Donc, quand les personnes sont parties dans des postures de vie un petit peu ésotériques ou un petit peu étonnantes, et qu'elle manque d'ancrage avec la terre, alors on va utiliser des points, ce qu'on appelle des points terrestres, qui sont un peu comme des prises de terre. En fait, ce sont des points qui vont ramener la personne en connexion avec la terre. Pour une raison simple, c'est que les Chinois disent que pour être en harmonie, il faut être en contact avec la terre pour pouvoir se projeter vers le ciel. Mais surtout, ne perdons pas contact avec la terre. Oui, l'homme est entre terre et ciel, il a les pieds sur terre et la tête dans le ciel, il fait la connexion, la relation transcendantale, il est important de bien garder les pieds sur terre et d'être bien ancré pour avoir une existence épanouie. Absolument, et dans cette idée, il existe à titre d'exemple, une deuxième autre famille de points qu'on appelle les points d'ouverture céleste. Alors là, c'est l'inverse. Ce sont les personnes qui sont extrêmement terre à terre, des personnes qui ont du mal un petit peu à s'élever dans la vie, à avoir une démarche orientée vers l'ouverture, la spiritualité. Donc des personnes qui, comme on dit souvent, des personnes qui ne croient que ce qu'elles voient. Voilà. Et donc ces points-là permettent à la personne de faire son propre chemin, son propre cheminement, mais en tous les cas, petit à petit, s'ouvrir à la vie. Et ces points sont des connexions au ciel. On pourrait les appeler presque par opposition à des prises de ciel, par exemple. Qui vont amener un peu d'élévation, donc, hein, qui vont amener le patient à concevoir les choses avec un peu plus de grandeur, sans doute, ou un peu plus de subtilité. Subtilité, le mot peut être là, oui. Oui, tout à fait. Avoir plusieurs degrés de lecture des choses, de la vie. Avoir un autre domaine d'action de la chronoacupuncture pour les acupuncteurs ou pour les praticiens en médecine traditionnelle chinoise, c'est de pouvoir travailler sur des poux en fait, hein, des poux évidemment qui sont centrales dans fondamentaux et fondamentaux effectivement dans un traitement en médecine chinoise, c'est de dire qu'au moment où l'on prend les poux, on a un certain nombre d'informations qui nous arrivent sous les doigts. Et là où la chronoacupuncture est intéressante, c'est que si on poncture ce qu'on appelle le point d'ouverture de la séance au moment où l'on est avec notre patient, alors à ce moment-là, les poux vont se modifier. Ils vont se modifier dans les 5, 10, 15 secondes à venir. Et là où c'est vraiment passionnant, c'est que ces poux vont se modifier comme si les poux se nettoyaient. Et on reprend les poux et on verra que les poux sont très différents. Et là où c'est intéressant, c'est de poser un diagnostic sur ces nouveaux poux. Voilà. C'est comme si on avait fait un nettoyage. Oui, on parle très souvent en médecine chinoise ou dans la tradition chinoise de l'homme entre ciel et terre. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On n'a rien dit. Bien sûr, l'homme est porté par la terre et couvert par le ciel, bien sûr. Mais là encore, on n'a pas dit grand-chose. Ce que disent les textes chinois, c'est que nous sommes sous l'influence de plusieurs énergies. D'abord, nous sommes sous l'influence des énergies qui sont liées aux saisons,
printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Ça, c'est quelque chose de connu par tous les praticiens. Mais ce qui est quand même un petit peu moins connu, c'est que nous sommes sous l'influence d'énergies qui viennent du ciel et des énergies qui viennent de la terre. Ça veut dire qu'en fait, tous les deux mois, une énergie va descendre du ciel et venir nous influencer. Et tous les deux mois, une énergie va monter de la terre et nous influencer. Alors, ces six énergies sont très connues de tout le monde, on les appelle en général Taiyang, Shaoyang, Yangming, Taiyin, Shaoyin, Suiyin, mais on parle d'énergie qui vient du ciel et d'énergie qui vient de la terre. Ce qu'on appelle régulièrement et souvent des énergies invitées. C'est ça les énergies invitées. C'est ça les énergies invitées. C'est ce qu'on appelle la climatologie. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la climatologie. C'est l'étude des climats, en fait. Hein. Pas du tout des saisons, mais des climats. Parce que lorsque l'on parle, par exemple, de Taiyang, on parle du froid. On parle du froid vraiment précisément, et on ne parle pas du méridien intestin grêle vessie, on parle du froid. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que la connaissance de l'arrivée de ces énergies qui descendent à la fois du ciel et en même temps de la terre permet d'anticiper par rapport à un patient ou une personne et de savoir quel va être le bouleversement climatique dans son écosystème qui risque de venir dans les prochains mois. Donc en connaissant ces énergies, on peut faire vraiment de la prévision climatologique. Et c'est vraiment très intéressant. Je prends l'exemple. Une personne est globalement un petit peu colérique, mais pas plus que ça. Et puis vous la voyez 2-3 mois plus tard, et au moment où vous la voyez, elle vous dit « Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, depuis un mois, je suis vraiment pas bien. Je suis en colère. Je crie après tout le monde. Je crie après mes enfants. Je crie après mon épouse, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» En fait, c'est relativement simple. C'est que depuis un mois, il y a une énergie qui descend du ciel, qui s'appelle Tsuyin, et qui est venu en fait passer en hyperactivité son Tsuyin interne et augmenter sa colère. Qui s'est associée à son climat interne. Exactement, qui s'est rajoutée. Mmh. Et dès lors que cette énergie Tsuyin qui va être présente pendant deux mois disparaît, va arrêter de s'exprimer, la personne va vous dire bah, « Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis 15 jours, je vais beaucoup mieux, alors que vous n'avez rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Bah, simplement, c'est qu'il y a une énergie qui s'est installée et qui est venue modifier son écosystème intérieur. Ça veut dire qu'on va travailler de façon beaucoup plus préventive. J'imagine que, comme tu le dis, c'est cyclique. Donc ça veut dire qu'on est capable d'anticiper la venue de ces six énergies et de fait, de pouvoir préparer notre patient qui est susceptible lui-même dans son climat intérieur de résonner avec cette énergie climatique et de réguler un petit peu la réception en lui de cette énergie climatique, c'est ça? C'est exactement ça, en fait. On peut tout à fait anticiper comment ces énergies vont venir modifier son écosystème intérieur. Après, il y a deux cas, bien évidemment. Certaines énergies vont venir plutôt améliorer son terrain. Un exemple, une personne qui a tendance à avoir un vide sur son eau, il suffit qu'il y ait une énergie Taiyang qui arrive, elle va vous dire pendant deux mois, je ne sais pas ce qui se passe, mais globalement je vais bien, pas de problème de cystite, tout va bien. Et au bout de deux mois, tout recommence parce que cette énergie est partie. Et puis l'inverse. Et donc là, ça va être plutôt une énergie qui va améliorer le terrain de la personne. Et vous avez le contraire. Vous avez une énergie qui est en plénitude, et tout d'un coup arrive du ciel ou de la terre, cette énergie qui va se surajouter. Et donc ça va faire évidemment un double plein, ça va remplir encore plus. Et là, on va aggraver. Donc parfois, ces énergies vont améliorer le terrain, parfois vont être beaucoup plus délétères. Mais tout ça, ça peut tout à fait se déterminer et s'anticiper. Cette approche est une véritable, j'allais dire révolution, mais pas révolution, parce que ça fait des siècles, voire des millénaires que ça existe, et on la découvre aujourd'hui en Occident. C'est de plus en plus pratiqué en Occident. On entend beaucoup parler de chronoacupuncture dans le cadre de spécialisation, notamment de formation. C'est quelque chose qui fait véritablement avancer la pratique clinique. Ah, indéniablement, c'est un plus pour les praticiens en médecine chinoise. Ça leur permet vraiment d'aller beaucoup plus loin et d'adresser des pathologies, ou en tous les cas peut-être pas des pathologies, mais des dérèglements énergétiques qu'on ne saurait pas traiter autrement. Oui, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Cela étant, ça demande un investissement au départ. Mais le résultat après est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Merci beaucoup Laura, merci pour nos patients, merci pour les praticiens qui souhaitent s'intéresser à cette pratique. On peut se rapprocher de toi éventuellement si on souhaite en savoir davantage sur la chronoacupuncture. On va faire apparaître un lien ou en tout cas une adresse.
adresse email vers laquelle on puisse te contacter dans le cas où les spectateurs soient intéressés par ce sujet. Merci encore mille fois. Merci, merci de ta sincérité et de ton investissement. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Thank you.